Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Au Yokite, au Taliban faute, au Mouni ba maquette, au Mouni signature yaba contrat toté. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka, Kotoyo et Komiko Sila. Et pas nabiso, nungu nungu ezalate. To banda na la il, to komi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo et komi aussi lao. Afin que Batounio se base à la servie, Mbaloyo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Onama IP Sécurité, te rassurera. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Le vrai modérateur, la Cinco d'accord avec le gouvernement. Le transporteur aérien appelé à travailler dans les normes pour éviter les crashs, c'est le vrai modérateur. Géopolis hebdo, état de siège et pacification à l'est de la République. Samalou Kondé confère avec le CEO de Glencore. État de siège, une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, l'objectif. Taxe RAM, le Congolais en colère. Cette histoire de taxe RAM, pardon, de RAM, juste en train d'analyser. C'est vrai qu'il faudrait que l'on comprenne Marambou Ibélé avant tout Tomboka. Généralement, les gens se fâchent parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Et nous, nous avons un problème, c'est la communication. Les pays ne communiquent pas assez. Le ministère de tutelle, voilà, je crois qu'il y a un ministère à tutelle, je crois qu'il y a un RPTC, quelque chose comme ça. Je crois que, et dans la RPTC, et dans le ministère à tutelle, et dans la Bangounion Soana, je crois qu'il faudrait que va communiquer suffisamment sur la question des rames pour qu'il va comprendre. À front et à long d'importance montée. Côté quand va et faut communiquer. Faut aller vers les médias pour communiquer pour ça va tes amis. Moi je n'ai pas voulu en parler parce que j'ai beaucoup de choses dans ma cambo, beaucoup en tout cas. Mais chose là tout ça va élément complet. Parce que si je me mets j'essaie de me dire si j'essaie d'influencer les gens négativement. Est-ce que vous imaginez les impacts qu'il peut y avoir? Parce que je sais au moins la répercussion. Donc je ne peux pas. Mais sinon, je demande tout simplement aux gens d'essayer un peu de voir. D'essayer un peu de comprendre l'intérêt de mieux communiquer. L'intérêt surtout de bien communiquer. Sous la houlette de Judil Boalia, la dynamique du Haut-Katanga en marche. Insécurité à l'Est, Fachi, victoire assurée, c'est la République. Alors, Fachi mobilise pour la victoire contre les terroristes à l'Est. La réforme fiscale s'impose, seule source de trouver l'argent pour la République. Cela s'est traduit par l'analyse de la pression fiscale dans notre pays. Alors, mesdames et messieurs, le sujet de ce matin, ou je crois de cet après-midi, nous tournons autour de comment
on va faire pour avoir l'argent? C'est une grande question, mais une vaste question aussi. Je voudrais, moi, commencer un train de... Il y a une émission de Kossala, une série. Il y a une émission de Kossala. Mais dans l'ingouto salam, on a Bino. Je voudrais ici demander à tous les Congolais qui vivent au Congo et qui vivent à la diaspora, je vous pose une seule question. Et répondez-moi avec des éléments. Na stade actuel au Tozanango, comment l'État peut faire pour avoir l'argent? Considérons que les mines sont oubliées. Considérons le fait que les mines sont oubliées. Quelles sont les idées géniales que vous avez qui puissent donner au pays beaucoup plus d'argent? L'argent qui sera capable de nous aider à financer des grandes réformes, mais aussi à prendre en cause, certains, à prendre en charge certains secteurs porteurs de croissance. Alors, vous, place aux Anandaku, aux Alibandamboka, aux Anakongo, comment la bifion na mail, totine la bifion na WhatsApp, idée na yo général, avec des éléments, avec des détails, pas des souhaits. Nous voulons voir comment nos frères congolais réfléchissent en termes d'argent. Comment on fait? Comment on va faire pour mobiliser l'argent? Où trouver l'argent et comment trouver l'argent? Moutouna 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 secteur naïe. Au combien on a mail, mail la bifion na mail. bosemec@gmail.com. Ou comment le message, nous avons besoin de savoir comment nous allons faire pour avoir l'argent dans ce pays. Comme ça, nous pouvons contribuer. Il faut qu'on s'habitue à ne pas parler que politique. Il faut qu'on s'habitue à parler aussi de comment on va trouver l'argent dans ce pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois vous dire une chose. Ceux qui ont géré ce pays pendant longtemps ont dit que ils se tapent la poitrine en disant qu'ils ont laissé 1 milliard de dollars dans le trésor. Mais ils ne nous disent pas combien de dettes, à quelle hauteur ils ont laissé la dette. Ça, ils ne nous disent pas. 1 milliard de dollars dans le trésor, oui, ça, ils nous disent. Ils disent ça sans problème. Mais combien ont-ils laissé en termes de dettes? Parce que si nous prenons 4 entreprises publiques seulement, la dette sociale de 4 entreprises publiques seulement, nous dépassons les 1 milliard de dollars. Ça veut dire que l'argent qu'ils nous ont laissé ne nous permet même pas de payer les dettes que nous avons. Que eux ont laissé, pas que nous avons laissé, que eux ont laissé. Alors, maintenant la question, on ne va pas s'éterniser sur la question du passé. Maintenant, il faut qu'on avance. Maintenant, en avançant, on se pose la question, comment on fait pour trouver l'argent? Les idées sont là, on dit agriculture, oui, mais pour l'agriculture, il faut un financement. Il faut financer cette agriculture-là. Il faut financer des plans agraires. Il faut construire, concevoir un plan agraire. Et généralement, les plans agraires ne fonctionnent qu'avec des routes aussi. Pas des routes, ben, pas d'émergence agricole. Des routes incluent généralement une émergence agricole. Mais au côté et des routes et de l'émergence agricole, il faut une intelligence économique aussi. Et dans l'intelligence économique, là, je suis en train de penser à tous ceux qui ont écrit sur le domaine. Le professeur président de l'Assemblée provinciale, Godin Poï, a plusieurs fois écrit sur la question. Vous allez demander au savant Bakandeja, il vous explique. Vous demandez au savant Mabi Mulumba, il vous explique. Donc, sur l'intelligence économique, moi, je ne suis pas un grand cerveau pour réfléchir sur la question de comment on va trouver une intelligence, comment on va définir une intelligence économique dans un pays où nous avons... Tous ces grands-là sont là. Ça veut dire quoi en d'autres termes? En d'autres termes, quand nous nous plaignons que les mines sont en train de mourir, les mines sont en train de disparaître, les mines, il y a des Congolais qui se moquent de nous, des Congolais, qui se mettent à rire, qui se disent, mais attendez, un pays comme ça ne peut pas se plaindre à cause des mines seulement. C'est vrai que les mines sont une clé, mais il y a des Congolais qui ont des moyens. Qui ont, quand je dis les moyens, pas que les moyens financiers, ils ont des moyens cérébraux, ils ont des moyens intellectuels, capables de nous trouver l'argent en dehors de cela. Est-ce que vous savez qu'avec les taxes et les impôts, on gagne beaucoup plus aussi? Nous pouvons mobiliser beaucoup d'argent dans les taxes et dans les impôts. Il suffit pour nous de canaliser convenablement les petits moyens qui rentrent, que ça nous aide à servir à quelque chose. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez aujourd'hui, savez-vous ce que l'État perd comme argent, n'a pas amende transactionnelle, n'a pas frais de justice, n'a pas consultation, n'a pas hôpitaux,
Savez-vous combien l'État perd comme ça, surtout les hôpitaux publics? Est-ce que vous savez combien l'État perd dans ma souci à toi? On a un côté qui a plainte. On a un côté là-bas. Est-ce que vous savez combien l'État perd? Si seulement on pouvait avoir la numérisation, ne serait-ce que Yabambongo, la traçabilité. C'est vrai qu'il n'y aura jamais de coulage 0%. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il n'y a pas de coulage zéro. Ça n'existe pas. Mais au moins, on peut faire de gros efforts pour réduire cette histoire-là. De façon que la proportion, Yabambongo et Bunga, est alors insignifiant que Mbongo et Kota. Mais chez nous, c'est l'inverse. Ce qui rentre est insignifiant par rapport à ce qui se volatilise. La preuve, vous l'avez. Si déjà vous perdez, si vous perdez 15 milliards par an, alors que vos budgets tournent autour de 3 à 4 milliards de dollars, c'est que vous avez perdu beaucoup plus. Vous aurez pu avoir 20 milliards. Dans l'état où vous êtes aussi court. Donc ça suppose tout simplement que nous-mêmes, nous sommes un véritable problème. Donc, si nous nous posons la question de combien nous manquons en termes d'argent, et ça m'a compliqué. Je vous donne encore un autre élément. Est-ce que vous savez combien nous perdons dans le parking? Il y a des pays, des villes qui ont un budget à parking, un parking et Kotisaka, au Taliomou, au Bangui. Mais au Congo, ici, les parkings, ils sont bien privés à bateau. Il y a un monsieur à la grande tonga, il y a la cop, il y a un parking, il y a un bon nengaling. Et quand vous essayez de dire à l'État, mais vous perdez l'argent, bon, vous êtes au Kenwapi, bon, il y a un parking, ça pourrait vous servir à faire autre chose. Ils disent non, c'est pas là, n'est pas le problème, l'État est en mine. Non, mais le problème, tout le pays ne peut pas tourner autour des mines seulement. D'ailleurs, si vous voulez savoir, le Congo ne s'est pas réveillé, le Congo n'était pas d'abord Congo à cause des mines. Le Congo était Congo à cause d'abord de sa forêt, de sa biodiversité, de ses affluents. Les mines ont été découvertes après, Il fallait d'abord découvrir la forêt, découvrir le bois, découvrir tout ça. Il fallait d'abord découvrir Babylone comme tout soit. Mais nous pouvons nous aussi faire la même chose aujourd'hui. Comment on fait pour trouver l'argent? On part de quelle piste vers quelle piste? Je dis, il y a un exercice qu'on a fait si bien sur le Congo. Tout le monde va réfléchir. Tout le monde va nous faire un bon. Oublions les mines. Mettons les mines entre parenthèses. Supposons qu'on n'était pas, on n'avait pas les mines dans notre pays. Mais on a tout ce que nous avons. Par où on peut commencer? Donnez-nous vos schémas, votre schéma. Pour que tu fasses évoluer, combien nous sommes en train de perdre en termes d'argent? On peut gagner l'argent. Si nous voulons véritablement gagner l'argent, on peut gagner l'argent. Je vous donne des cas, simples. Est-ce que vous pouvez imaginer Mbongo Congolais perdre un rapport dans un document administratif? Juste le document administratif. Nous sommes allés dans l'administration, Mbongo Congolais a un document. $5. D'abord, il y a un document que document, il y a solo, il y a normal, c'est à $5. On reçoit la 3 semaines. Mais si on a un bango, on a un express, on reçoit $10. On peut 10 dollars, on reçoit dans 2 jours. Mais ce qui est véritablement précis, au chef, on a $20, c'est un document. Mais je vous dis, au vendu, on a un document, on a $20. À côté, combien à l'État? $5. Est-ce que vous imaginez? À côté, c'est $5 dans l'État. Et ça, c'est présumé, écoute. Peut-être que si on a un trésor, il y a $1. Mais à cause de $5, $15 à l'Iangoye Moko. Alors, ce qui est pour un document, Moko est d'abord. Ce que vous imaginez, c'est que vous avez un document dans l'État. Il perd de combien? Et aujourd'hui, on a atteint un niveau où l'agent prend l'argent lui-même, il tient la poche. Na ye. Il te montre que, mon imbongo, il tient la poche. Nanga. Et à un numéro, est-ce que vous imaginez? Tout ça, c'est parce que l'État n'est pas aussi sérieux avec lui-même. Or, ce que vous avez une nomenclature, mon corps clair, numérisé, ça veut dire que je viens à l'hôtel des villes. Juste à côté de l'hôtel des villes, il y a une banque, il y a distributeur, ou je ne sais pas moi, fiche à perception, tout ça.
naye nakuti na pesi mbongo na nga wana on me donne un bordereau et na ke ko lakisa chaque guichet j'ai payé le bordereau coché na payé coché na payé coché. Ce qui va se passer c'est que les gens auront moins d'argent en main et l'État aura plus d'argent dans les caisses. Et c'est ça le plus grand avantage d'un État. Mais ce que tout tiki makambonyo son État primaire dans le Burkina Faso, comment voulez-vous qu'on évolue? Comment voulez-vous qu'on gagne l'argent? Et puis même elle, j'ai raison de me souffler. Lorsque Luzolo Bambi disait que 15 milliards de dollars s'est volatilisé, je ne pense pas que M. Luzolo Bambi tenait compte il y a un roulage, je ne pense pas qu'il tenait compte il y a un roulage, pas état civil. Je ne pense pas qu'il tenait compte il y a un roulage, pas hôpital. Je ne pense pas qu'il tient compte il y a un roulage, pas frais de justice. Je ne pense pas. Il parlait peut-être des grands régies financières, mais juste il y a un roulage, tout ça calcul. Il y a un l'état perdaka. On est dans les milliards aussi. Peut-être pas 15 milliards, mais on n'est pas si loin de ça. Parce que infraction moko y a 20 dollars et à la katena mbokao. Infraction nyo so wali goba 100 000, 50 000, 100 000, 50 000. Et pour la plupart des cas, tout la narana bango na balabala. Est-ce que vous imaginez ça? Sur la voie publique, un policier t'arrête, d'abord à inventer leur infraction, alors il y a un débarquement, un embarquement d'un agent de l'État. Alors tu ne te retrouves plus. Moi, on m'a déjà arrêté comme ça, on me dit, monsieur, nous t'arrêtons. Pour embarquement et débarquement de l'agent de l'État. Mais papa, on a embarqué au WAPI, et on a débarqué au place ni. Oh non, embarquement et débarquement. Et il va te dire, bon, alors, Tosuka, non, 100 000 kaka, 100 000 depuis Tosuki. Et bon, yo kanibo, pese 40 000 francs. Azumon a tient la poche et continue à l'État T. Yo pour continuer vie na yo normal. Il prend pas. Ça dit, rien, tout s'arrête là. Maintenant, imaginez-vous que dans la journée, mon corps, il y a 100. 100 cas, il y a modèle loin. Donc, on a perdu en moyenne 4 millions de francs congolais. Pour rien. Est-ce que vous imaginez? On a perdu 4 millions de francs. Pour le bac, il y a modèle loin. Ce que le bac, il y a un accident. On s'est mis très loin dans le poste de police. Les gens s'entendent. Voilà. Papa, tout tu es, tout tu es, tout tu es, toi, famille, tout ça, l'église, tu es. Et le roulage vient et dit, mais ce que, toi, tu es, tu es, tu es, autre que le bureau, papa, tu as le bureau, tu as le Congolais, tu as le bon, il y a 50 000, il y a 30 000, comme ça, tu as bon. Et après, c'est 50, 30, et c'est fini. Est-ce que vous imaginez ça? L'argent, là, n'arrive pas à l'État. Et donc, comment l'État est? Et donc, mais ce même État, en train de se plaindre, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais comment tu auras de l'argent? Ton argent est en train de circuler comme ça, dans la poche à bateau. Mettons-nous au travail, travaillons de façon que Mbongo l'État est bimaté. Nous, nous sommes un pays qui perd l'argent en payant les politiques. Nous payons les politiques au lieu de payer des véritables programmes, des véritables projets. Nous sommes en train de payer des politiques, on paye des politiques. Les salaires du président, exorbitant. Salaire de l'ancien président, exorbitant. Du premier ministre, exorbitant. Des ministres, exorbitant. Alors, ils ont tous des salaires. Ce qui est au total, la salle, enveloppe. Eux, ils foutent à politicien. Na politique, il y a Mboka. Na institution, Mboka. Nous sommes dans 70% ou à la limite 80%, il y a budget. Il y a budget, il y a Mboka. Or, budget Mbokawana est infiniment insignifiant par rapport à l'Imoué. Il y a un tongo peu la police. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que nous payons ceux qui nous volent. Est-ce que vous imaginez? On est dans un pays où nous payons ceux qui nous volent, nous payons ceux qui nous pillent. Donc, nous payons un système qui nous détruit. Nous payons un système qui nous appauvrit et nous engraissons un système qui nous abétit. Alors, il faudrait pour nous s'auto-décider en disant qu'est-ce que nous voulons faire. Je vous donne des cas. Moi, pas que critiquer, je propose numérisation Yamakambouana. Je prie et je demande à ce que Mbongo l'État et Foutamanama beaucoup à Batoli sous terre. Tout mais ça dans la culture ouana. Vous savez, en Chine, Bazana et Logomo, le roi WhatsApp, même on dit WeChat, je ne sais pas. Ils ont un truc comme ça où ils payent tout dans l'électronique. En tout cas, tout. Taxi, restaurant, hôtel, tout dans l'électronique.
Donc, tu peux ne pas avoir l'argent en main, mais tu as ça. Et c'est bon, ça passe. L'État peut faire ça. Est-ce que vous savez combien l'État perd? M-Pesa, Airtel Money, tout ça. Est-ce que vous savez combien l'État congolais perd? Parce que l'État ne sécurise pas tout ça. L'État congolais ne sait pas exactement la procédure. Il y a, par exemple, il y a la messagerie financière. L'État ne maîtrise pas l'afflux de l'Union. Avant de maîtriser comment ça se passe exactement, il ne maîtrise pas. Il attend qu'il va déclarer. Il faut que l'entreprise vienne déclarer. Non, monsieur, nous, aujourd'hui, en tout cas, à Néo, tu as la salaire qui boue boue, moi, au salaire qui boue boue. Non. Il faut numériser. Il faut que l'État congolais mette son œil dans le marabout MPSA. Il faut attendre la MPSA. Il faut attendre la monnaie, ce qui est telle monnaie, orange monnaie. Il faut que l'État vérifie exactement combien il gagne en termes de pourcentage et comment on peut, nous, maintenant, à notre tour, l'État, percevoir Murukuna. Je vous explique. En tant qu'opérateur économique, opérateur téléphonie, il y a téléphonie en côté. Sauf qu'on a un autre réseau, on a autre réseau. On a un autre réseau. Mais bah, s'il y a erreur, ce n'est pas à nous. Mais ils ne vous disent pas la nature de l'erreur. Donc, ce qui est erreur, opérateur, on a sali, on a un mai. Ce qui est erreur, on a un sali, on a un mai. Pourquoi ils ne vont pas oser ça ailleurs? Pourquoi ils ne peuvent pas aller oser ça ailleurs? Ces réseaux de communication en train de piller le peuple congolais, en train de voler l'argent du trésor, disons, des Congolais, je vous explique. Bah, si nous, une minute, c'est-à-dire 60 secondes. Mais on vient deux fois, trois fois. On vient la première fois, et ça dit tout, et Cathy, mais il y a 6 secondes. Et autant il n'a pas fait, non, il y a une minute. Tu te dis, mais c'est pas possible. Bon, pas mal, hein? Peut-être que tu as un calcul qui vient, là, tu as la leçon. Tu fais la deuxième opération. Tum. Au talib, 8 secondes, 10 secondes. Au talib, il y a une minute. Pire encore, tu télécharges pour 100 minutes, 10 dollars. Mais au solo, lui, il y a un peu de temps. Ça, il tout réseau, hein. Tout réseau pendant normal et tout et tout. Et quand tu vas pas appeler au téléphone, on se le lit 27 minutes, 28 minutes, et quand tu vas essayer de faire la deuxième opération, on te dit t'as plus d'unité. Tu te dis mais c'est pas possible. J'ai fait pour 100 minutes. J'ai parlé 28 minutes. J'ai compté. Où sont partis les restes? On te dit pas. Je vais terminer un autre élément. Je vais donner un autre élément. Le Cameroun est à la fitness, celui fitness. Et d'autres forfaits, Bazaranango. Ça dit, il y a beaucoup de n'a souscrit de l'autre côté. Tu sais au fond de toi que je n'ai pas souscrit. Mais on te bouffe des unités. 5 unités, 7 unités, 8, 10, 15, on te bouffe. Et tu appelles l'opérateur, monsieur, est-ce que j'ai fait par erreur une activation et un forfait tel? Oh non. Mais pourquoi vous me facturez? Oh non, nous allons voir, on va vérifier. Et ils ne vérifient jamais. Alors, Balobi qui Bazaranango a 70 000 abonnés. Il y a 80 000 abonnés, 100 000 abonnés. Expliquez-moi, s'ils font ça à chaque abonné, il y a 5 unités. Vous avez vu combien ces entreprises-là s'enrichissent et nous, on continue. Il y a aussi la pauvreté. Vous savez, c'est des choses aussi simples que nous pouvons régler. Moi, je propose encore que l'État congolais a décidé, on est dans une nomenclature, on a. À sa nomenclature, il y a une infraction, mais juste à côté, il y a un prix. Comment on appelle ça ce que vous allez payer, le prix que vous payez. Par exemple, on a pris cet exemple. Dépassement à gauche ou dépassement à droite égale 50 dollars. Dépassement, boy. Manque à clignotant, boy. Hausser les temps devant un officier, boy. On met ça, tout ça là-bas. Et bien, ça, les libus sont une application, c'est possible. Le Congolais à Kinshasa, pour la plupart des cas, Tozan a un smartphone. On peut faire ça en termes d'application. Et qu'on permette les missions n'ingénie. Je suis encore en train d'imaginer. Bah, ça les missions applications, voilà. Et qu'on sache que tous les usagers de la route, tous les chauffeurs, tous les citoyens, tout ça n'a eu aucun impôt dans les missions. Ils ont remporté néanmoins pratiquement toutes les infractions en électronique. Coups et blessures, tout ça est repris. Égal à 200 francs, 3000 francs, 5000 francs, 15000 francs. Tout ça, c'est un ignoble. Mais ce qu'on a quatre applications, ça c'est l'État qui sponsorise l'application. On a quatre applications, et puis ça, on a l'application, bon, on a un droit d'auteur, parce que ça, les minons, on a un droit d'auteur, on a un idée, on a
je n'amoule bi vous devoir pousser avant qu'on vous aide à protéger. Donc en fait le problème c'est justement pour dire, c'est pour rire, mais en disant que l'application peut être assortie d'une possibilité de paiement relié à M-Pesa, RTL Money, blablabla, bla bla, mais non, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que le message que la banque, ton opérateur, a retenu de l'AIO pour justifier que tu as payé, c'est ce qu'on va imprimer. Comme il y a un document au relax à que, effectivement, on a foutu. Ça veut dire quoi? Dans ce mauvais dépassement ou mauvais stationnement. Non. Le policier, à Telemsinga, monsieur Telema, au sali mauvais dépassement, on reconnaît, oui, je reconnais, au sali mauvais dépassement. Très bien. Mais, bon, alors, il faut foutre. Tête, n'en foutez pas dans l'hôtel. N'en foutez pas dans l'hôtel. N'en foutez pas. N'en sali ni dépassement ni. Au sali dépassement. Ok, total, dépassement ensemble. Au sali, l'application, dans le téléphone. Au sali, oui, effectivement, dépassement, il faut en foutre à $50. Le policier qui est là se rassure de la. De simplement qu'on s'en foutit. Il se rassure. Soit il prend ton véhicule, il l'amène au poste de police. Au poste de police, tu payes ton argent tranquillement et le message, système autorosal, le message comme la bango, la police pour qu'il va dans la convaincue, effectivement, monsieur a foutu. On peut le faire dans la MPSA, on peut le faire dans la RTL Money, on peut le faire dans la banque directement, on peut le faire, mais pourvu que Mbongo, Moutassi, il m'a dans un beau côté. On me dit, Moutassi, il m'a dans un beau côté. Selon Moutassi, il m'a dans un beau côté, ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Et l'État ne sera pas en train de parler comme ça. Un autre élément, je suis en train de dire. Mesdames et messieurs, l'argent se trouve dans l'indiscipline des Congolais. Dans le barango, toujours, nous avons continué avec le bango. Mbongo et Zali n'a indiscipline, il y a pas Congolais. Les Congolais sont tellement indisciplinés qu'ils perdront beaucoup plus d'argent. Et ça va être, on fera une pierre deux coups. Le premier coup, c'est que ça va décourager les mauvais comportements. Et le deuxième coup, ça va changer l'attitude d'un comportement à bateau. On va nous montrer ce qui, à perdre Mbongo, on a bêlé pour l'infraction moins quelconque. Il a été prouvé que Arosala fout bêtise bongoté. Par contre, ceux qui m'ont bêtisé pour l'infraction quelconque a tendance à Arosala l'infraction dans les sous. Mais quand on a donné l'argent, on ne s'habitue pas en dépensant. Non. La dépense, on ne s'habitue pas avec. Elle est aigre. Ça sert à rien bongoté. Mais frapper, oh, bah, tu comptes avec l'esprit. Dans une film, on compte sur l'open esprit. Au bêtis sous le problème, mais maintenant, t'as le plaisir dans le soir. Dans le soir, on a compensé, on a douleur dans les kinon. Mais bon, franga. Tomatisa, toyaba, tomatisa, toyaba, nini ya amende. Tout ça, quand la amende, il y a 200 $. Non, vous demandez à un milliardaire de payer $200 d'amende. Mais il va payer même davantage pour la infraction qu'il y a plus tard. Alors, vous êtes plus, ça dit, ok, et ça combien? Donc, si on a brisé, ah, la salle, code de la route, $200. Ok. Vous allez en 1000 euros. Alors, ça l'a fait prochainement. Au cours de ça, la 4 yuan. Mais ce qui a au PC, il y a $800. Je risque de perdre 800 tous les jours. Non, non, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup trop, je ne fais pas. C'est comme ça qu'on fait dans un pays. Si nous voulons avoir l'argent, travaillons, trouvons les moyens. Mais en attendant, mesdames et messieurs, nous avons un projet nabino. Un projet détaillé. Critique, oui, mais proposition P. Critique ton dimi, mais proposition paysale. Tobaki Samael, comment on peut faire pour trouver l'argent, pour gagner l'argent dans le secteur, par exemple, la DGM? Comment on peut faire pour gagner l'argent dans le secteur, par exemple, agricole? Comment on peut faire pour gagner l'argent dans le secteur, par exemple, le péage? Comment tu crois ça pas gagner un bongo dans le système de sous-prétence? Comment tu crois ça pas gagner un bongo dans le système de hôpitaux? Donc, chacun de nous, dans son domaine, comment tin de la vie sur yango. Le Congo de demain aura besoin de propositions. Mon ami Michel Lelo, politique exacte. Ah. Politique exacte. Ou qui combat FCCT, combat KHTT, ah, exacte. Donc c'est pourquoi nous disons que maintenant il est temps de travailler. Namaramel, par exemple, il y a Ramo. C'est beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup d'argent. Et c'est bien pour sécuriser les téléphones des gens. Mais le problème, c'est la communication. Et les kindengenini. Parfois, l'idée n'est pas mauvaise, mais la manière dont vous communiquez est quand même moins compliquée. Donc, trouvons un moyen. Et puis, un autre moyen de trouver l'argent, c'est que l'État paie aussi ses dettes. L'État fout à peine une hauteur. L'État est insolvable. A fout à maïté, a fout à couranté. L'État, donc, a un péage, a fout à gâté. L'État ne paie rien pour aider. Hein, bah.
posséder lui-même, on va dire. Donc, voilà mon point de vue sur la question, Yalilo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es qu'un gnosso. Biloko, y'a l'Union Congolais. On y dit, n'est qu'on a yo. A ça, il s'agit de te. Bon, la Corée, la yo, on va bon, la yo. Bon, la Toto, la yo, on va bon, y'a l'aide. Bon, on va bon, la yo. Malobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es là. Tout à coup on n'a pas six mois. Sinon vous voyez pas y a sinon vous voyez à dire. Mais quoi là dans le déca? Dans le déca bio quoi y a mboka. Y a fraise. Y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a même pas le pour la mon canja isali. Barubi nzo moi y a dire. Et Cuba paniwa. Barubi nzenze isali. La comba canja nezo mboto y a mbise na. Barubi niama y a mboto y a mboko mboto isaga ne. Kala ngando ne kala ina basi. Oyedike na sutu eza kodia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu u alonu po na kodia na bino moko ba bonde ya dino kalinyo kodia na a peti Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capable de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Oh.